Salut tout le monde, c'est Léo. Alors on me voit pas dans ce temps en temps, je suis à contre-jour. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais m'occuper de la pose de clôture pour les brebis. Elles sont sur une parcelle de moutarde. Et donc faut quadriller la parcelle. Je fais à peu près un hectare, un petit paddock de 1 hectare. Comme ça, s'il reste une bonne semaine dessus. Voilà. Bon, par contre, le temps, il est vraiment pourri. J'espère que ça ira mieux après. Mais là, pour l'instant, il flotte un peu. Il pleut un petit peu. Ouais, je suis du nord. On verra après. Direction la parcelle, je vais aller voir si tout va bien. Bon, bah allez, on va voir ça. À tout de suite. Bon, bah là, on est vraiment dans les petits chemins. Alors, pour vous montrer un peu comment c'est trempé, alors, il suffit de regarder. Les chemins, ils sont noyés. Bon, là, c'est un chemin merdique, hein, mais normalement, c'est pas aussi boueux. C'est plus du caillou qu'autre chose. Bon, ben voilà, on y est. Donc ouais, comme on peut le voir, bah là elles n'ont plus rien à manger. Donc on va les bouger, je vais les mettre là dans la moutarde. Je vais agrandir. Bon allez, je retourne à la ferme et puis je vais aller chercher tout le matériel qu'il faut. Bon c'est bon, je suis dans la parcelle. Bon, ça caille quand même mon tracteur. J'espère c'est qu'on entend bien quand même. Donc là, bah, ce que je fais, c'est que je détoure, j'écrase un peu la moutarde pour pouvoir, quoi que la plante, elle gêne le fil. Parce que sinon, on aura pas, ça va pas bien conduire le courant de la clôture électrique. Donc là, je fais mes traces, je pose mes piquets en même temps. Bon là, j'avance un peu. Ouais, ça devrait aller là. Je pose 2-3 piquets à la fois. Hop, on va descendre. On va rejoindre le piquet précédent. Allez, c'est parti, 12 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Alors, à une main, c'est pas évident. Tac, et là, on enfonce. Hop. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12. C'est bon. Hop là. De toute façon, je les entasserai un peu plus après. Bon, là, je suis en train de faire la traversée du champ. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Là, je suis passé sur la GoPro. Sauf que, comme un con, j'ai oublié le micro qui est avec. Donc là, bah, je fais toute la traversée de la parcelle pour pouvoir mettre les petits piquets en travers. Alors le but, c'est quand même d'être le plus droit possible. Je sais pas si on peut le voir, mais donc là, je suis en train de viser mon piquet de coin que j'ai mis tout à l'heure. Et après, donc une fois que tous mes piquets avec les queues de cochon seront mis, ben, il n'y aura plus qu'à mettre les fils et puis brancher la clôture. Voilà. Et on est encore pour un petit moment. Donc je vais essayer de ne pas traîner. J'aimerais bien finir avant midi. Là, il doit être 9h20, 9h30. À peu près. C'est bien que pour midi, ouais, j'ai fini. Voilà. Normalement, on est à deux à faire ça, mais là, je suis tout seul. Et comme c'est une clôture 3 fils, ben, il y a 3 fois plus de boulot. Ben, au niveau du fil, en tout cas. Bon, allez, moi, j'essaye de ne pas traîner. Bon, j'ai retiré le pull, le blouson. Parce que putain, ça réchauffe de marcher. Là, j'arrête pas de faire des allers-retours. Bon, par contre, je crois qu'il va me manquer. Hop,
peut-être me manquer un ticket, je sais pas. Allez, il me reste encore un, deux, trois pas à faire. Hop, on le plante. En tout cas, pour ce qui est bien, quand t'as du temps humide comme ça, c'est que les piquets s'enfoncent tout seuls. 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13. Ah oui, il va m'en manquer peut-être un coup. Bon, après, j'arriverai à en récupérer, c'est bon. Voilà, elles vont être fermées hein, dans la moutarde. Allez, putain, j'ai pas compté. Allez, on va dire 7, 8, 10, 12, 13. Ouais, ça me paraît bien. Là. Allez. De toute façon, il y en a largement assez. Après, il faut pas faire un trop gros écart. C'est pour pas que le fil il soit trop détendu. Hop. Alors, les queues de cochon, elles tournent un peu. Voilà. Bon. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à aller au boîtier électrique. Je vais désactiver la clôture, puis je vais enrouler fil par fil. Alors, la cabine, elle n'est pas trop insonorisée. Même pas du tout. Donc, je sais pas si. J'espère, c'est qu'on m'entend quand même assez bien quand je suis dans le tracteur. Alors là. Pareil, je vais refaire une trace juste à côté de celle que j'ai fait pour l'élargir. Comme ça, je serai sûr que la plante, elle ne va pas. Ah, c'est bon. Comme ça, je serai sûr que la plante, elle ne va pas toucher les fils. Et j'aurai pas de perte. Parce que. Bah, si tu as de la perte et que ça pique pas assez, les brebis, elles vont pouvoir forcer sur le fil. Et sauver, et ça c'est pas le but de la manœuvre. Le but c'est quand même qu'elle reste bien parquée, puis c'est, le fait qu'elle soit parquée, c'est aussi les mettre en sécurité. Parce qu'elles n'ont qu'à aller sur la route, ou là en période de chasse, il faudrait pas qu'elles se retrouvent dans, en plus j'ai un bois juste à côté, il faudrait pas qu'elles se retrouvent dedans, puis qu'il y a un chasseur, voilà, il voit un truc, il tire. Mais bon. C'est jamais arrivé, j'ai jamais entendu parler. Comme quoi c'est arrivé aussi à quelqu'un. Putain, là il y a de la boue. Il y a du mal quand même. C'est cru. Je vais laisser le tracteur là. Hop, c'est bon. De toute façon, ouais, j'ai mon booster. Parce que la batterie, elle flanche un peu là l'hiver. Il est plus que temps dépassé, d'ailleurs elles sont en train d'attendre. Je vais aller les voir. Bon, en tout cas, elle marche bien, elle a l'air de piquer quand même, puisque j'ai une lampe témoin. Enfin, il y a un bel arc électrique dessus. Et regardez-moi sur les traces que j'ai. Que j'ai faites en tracteur, c'est impressionnant. C'est cru comme tout. Elles sont sales, c'est boueux. Et ouais, elles sont là, elles attendent. Bon alors, une clôture électrique, c'est quoi? Donc déjà, c'est composé d'un boîtier. Là, nous, on l'a équipé panneau solaire, comme ça, la batterie, elle se recharge aussi. Bon, après, en hiver, là, c'est pas le top, mais bon. Et ensuite, donc, on a des petits piquets avec des queues de cochon. Donc. Ce sont ces piquets là. Donc les queues de cochon, c'est des petits tours blancs. C'est de l'isolant. Parce que sinon, si ça touche le métal, à chaque fois on aurait de la perte. Ensuite, on a les bobines. Donc elles sont là. Bon, là je vais pas les toucher parce que j'ai pas encore désactivé le boîtier. Les bobines de fil, donc après tu as des clôtures soit un fil, deux fils, nous on a mis trois fils, tout le temps plus de sécurité quand même, c'est plus loin à installer mais tu as plus de sécurité. Les bêtes elles sont moins tentées pour se sauver. Donc voilà, donc là je vais désactiver. Et alors le boîtier, donc nous là il est en portable, il existe aussi en filaire à brancher directement sur secteur, nous c'est une batterie. Et donc là, le boîtier, il est électrifié.
C'est un boîtier anti-vol. Donc là, du coup, j'ai ma petite clé pour pouvoir l'ouvrir. Hop. Là, logiquement, ça y est, elle est désactivée. Parce que là, on a un petit bouton. Hop, je sais pas si on va le voir. Le petit bouton qui est là, c'est ce qui fait contact et qui c'est on-off. Alors là, du coup, je la désactive. Hop. Hop, sur off. Pour plus de sécurité encore, je retire mes fils, enfin mes pinces. Voilà. Là, logiquement, c'est bon. Donc ça, je peux refermer. La clé, je vais la laisser dessus. Après, j'ai mon petit tester. Voilà. Donc, le tester, important quand même, pour vérifier le bon fonctionnement. Alors, j'ai la prise de terre. Après, j'ai plus qu'à poser sur le fil. Et là, je vérifie. Là, c'est bon, j'ai plus de courant. Donc, je peux y aller. Donc, voilà, je vais démonter tous mes fils. Alors, là, je vais démonter ma lampe témoin. Alors, la lampe témoin, bon, elle n'est pas obligatoire. Nous, elle était fournie avec tout le matériel de clôture. C'est juste un indicatif comme ça du bord de la route. Quand on passe devant la parcelle, on sait si la clôture fonctionne ou pas. Donc là j'ai débranché mes pinces. Donc ça c'est les pinces conductrices pour alimenter les trois fils. Voilà. Donc, je vais toutes les retirer. Alors là bon logiquement elles vont pas se sauver parce qu'elles ont compris qu'il fallait pas s'approcher de la clôture. Mais je voudrais pas qu'elles prennent le pli de la tester de temps en temps. Parce que le jour où elles veulent tester la clôture et qu'elle marche pas, là elles vont forcer dessus. Que si elle s'en méfie tout le temps, il n'y a pas de risque. Après, c'est aussi à nous de faire attention qu'elles aient toujours une quantité suffisante de bouffe, pas qu'elles commencent à vouloir chercher à passer de l'autre côté. À partir du moment où elles essayent de passer, enfin, elles ont envie de passer de l'autre côté, c'est qu'il est déjà trop tard, à mon sens. Et puis là, je vais enrouler fil par fil et puis je vais les installer directement. Donc alors après, c'est un enrouleur hein, tout bête. Donc là, j'ai le frein de bobine, je le désactive. Là, ça va détendre mon fil. Voilà. Là, j'ai un petit crochet. En fait, là, c'est un piquet support. Après, on y revoit. J'ai deux types de piquets. J'ai les piquets de coin. Et les piquets support de fil. Donc là, il n'y a plus qu'à prendre. S'il veut bien, voilà. Et puis là, je m'en vais, je vais enrouler tout ça. Allez, par contre, là, il me faut donner deux mains. C'est du sport. Allez, là je vais tout de suite mettre le piquet de, enfin le fil du retour, de la petite longueur. Comme ça, si jamais elle passe au-dessus du fil, elles seront quand même parquées. Il y aura un fil, ça va les dissuader quand même, parce que bon, un mouton, ça part loin quand ça pâture. Et j'ai pas envie d'aller les rechercher à l'autre bout du champ. Bon. Là, j'ai un beau petit rayon de soleil. Hop. Je vais essayer de vous montrer parce que bon, à une main c'est pas évident. Pour la pose, là j'ai la bobine. Donc là faut le dérouler. Donc là j'avance jusque au prochain piquet. Je sais même pas si on voit assez. Voilà. Hop. Et donc là. Pour mettre le fil, alors je vais essayer, c'est qu'on voit bien. Voilà, pour mettre le fil, c'est en dessous, au-dessus en gros, qu'il faut retenir. Donc là, on prend le fil, on passe sous la queue de cochon et dans la fente, et puis là, voilà, là il est pris dedans.
Donc comme là quoi, de toute façon on le verra mieux. Même mettre de l'autre côté. Voilà. Donc là, il est pris dedans. Et donc là c'est bon, c'est clôturé. Voilà. Et donc j'ai à peu près. De toute façon j'en ai 7, 14 et là j'en ai une bonne. Allez, je vais dire une quarantaine de piquets à faire comme ça. Donc même plus que ça, une bonne 50-60 même. Donc il y a encore du boulot. Donc je vais essayer de pas traîner. Et puis bah, c'est parti hein, de toute façon. Hop. Et là on y va. Alors faut faire gaffe, c'est que le fil il s'enroule pas autour de la bobine comme, comme on a déjà eu. Parce qu'après c'est la merde. On a déjà une bobine à tout dénouer. Donc parce qu'au départ on les tirait avec le tracteur, on tirait les trois fils d'un coup, mais au final on était plus emmerdé qu'autre chose. On voulait gagner du temps, puis on en perdait plus que ce qu'on gagnait. Donc c'est plus chiant de faire fil par fil, mais au moins t'as moins de problèmes. Là pour l'instant j'ai eu zéro problème. Après je vais pas parler trop vite. Mais voilà. En tout cas je suis content, c'est que là c'est la première fois que je fais les clôtures où il pleut pas. Le ciel il était menaçant. Mais l'averse elle a glissé. Donc ça va. Après faudra, donc une fois que j'aurai mis tous mes fils, bah faudra que je refasse tout le tour pour vérifier si j'ai pas de plantes qui touchent mes fils. Mais logiquement c'est bon, j'ai fait une double trace au tracteur on va dire, exprès pour ne pas être embêté. Donc voilà. Ouh. En tout cas, c'est que c'est du sport de marcher dans de la boue. Voilà. Alors là, mon truc il est pas du bon côté. Hop, voilà. Et là, ouais, une main, c'est vraiment pas évident. Voilà. Là je vais le laisser comme ça, même s'il est pas tendu, c'est pas grave. J'en ai au moins un qui est tendu. Enfin celui du bas c'est bon, c'est pas grave s'il touche à terre pour l'instant. Je le tendrai après. Bon. Donc là j'ai deux fils installés, j'ai renroulé une bobine qui est prête à être déroulée. Donc il me reste encore il me reste encore deux bobines à enrouler et à installer. Donc bon, ça va. Je sais pas quelle heure il est là. Ouais, j'avance plutôt bien. Donc c'est pas mal, j'aurais peut-être pas fini pour midi, mais midi et demi, ça devrait être casé je pense. Donc voilà. Là, elles ont compris. Elles sont en train de revenir. Elles ont compris que je vais ouvrir. Alors par contre, c'est que ça m'embête un peu qu'elles viennent ici plutôt que de l'autre côté. Parce que là j'ai pas encore mis deux fils. Faudrait pas qu'elles aillent dans le champ du voisin. Et c'est que c'est malin. Bon. Faudra que je l'enroule après. Donc celle-là je vais la tirer. Hop. Je la desserre. Donc j'emmène aussi un piquet. Après je peux peut-être. Ouais non, ça va être chiant à une main. Hop. Voilà. Donc là je défais mon frein. Si j'y arrive. Voilà. Quand même assez tendu. Hop. Allez. Donc là bah, c'est parti. Je vais mettre le fil. Hop. Bon, je vais essayer de me dépêcher parce qu'elles ont l'air un peu pressées. Je sais pas si on les voit, mais elles sont passées. C'est bon, j'ai ouvert. Donc là c'est nickel. Il n'y a plus qu'à refermer. Bon, tout s'est bien passé, c'est bon. Elles ont été freinées par le fil. J'avais déjà installé
fermé le pot, j'ai eu bien fait de le faire avant. Parce que sinon, comme j'avais dit, je suis bon pour aller la rechercher tout au bout de la parcelle. Là au moins, le fil il est là, bon il n'y a pas le courant dessus, mais au moins elles sont dissuadées. Voilà. Bon, jusque là ça va, je suis content, tout se passe très bien. Bon, par contre le ciel il commence à se recouvrir un peu, le vent il monte. Tout à l'heure je vais prendre la pluie, mais on verra. De toute façon là, un record pour une petite heure je pense. Il n'y a plus grand chose à faire. Mais bon, quand tu poses les clôtures, tu fais que ça marcher. Je sais pas combien de poches je fais, mais c'est genre un bon petit nombre. Et bon, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Bon, allez, dernière bobine. Il restera plus qu'à après mettre l'électrificateur et puis ramasser tous les piquets que j'ai plus besoin. D'ailleurs, je vais se coucher, je vais même plus les voir. Bon, du coup, donc là, bah, c'est des brebis de race Texel, c'est une race bouchère. Et nous, sur l'exploitation, je dis nous parce que l'exploitation elle est au nom de mon père. Donc nous, au départ, on était surtout pour vendre de l'agneau de boucherie principalement. Et là, on se diversifie un peu plus. On se lance dans la génétique. Donc vente de mâles et femelles reproducteurs. Donc c'est une autre façon de faire pour l'élevage. Après, il faut quand même garder en tête que c'est une race bouchère, donc destinée pour la boucherie. Donc après, c'est à nous de bien sélectionner, bien choisir nos critères de sélection. Ça, je l'expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Sinon, on est sur 12 hectares. Au total, sur l'exploitation, il y a 12 hectares de prairies. Donc là, la parcelle, c'est une parcelle de moutarde d'un agriculteur voisin que je remercie beaucoup d'ailleurs. Donc la moutarde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une culture piège à nitrate. Elle va capter l'azote de l'air pour la remettre dans le sol. C'est un fertilisant naturel. Le plus intéressant, c'est les racines. Les feuilles, elles n'ont pas grand intérêt pour le voisin. Et donc nous, on lui a demandé si c'était possible qu'on fasse pâturer. C'est dérobé, donc la moutarde, pour pouvoir déjà valoriser un peu plus la culture, puis aussi nous, ça nous permet de faire des économies d'aliments. Voilà. Bon, allez. Bon, je sais pas si on va bien m'entendre avec le tracteur. Comme je disais, j'avais pas le micro. Donc là, tout de suite, je vais aller chercher la tonne à eau parce qu'on a fait un système d'abreuvoir automatique dessus, comme ça elles auront à boire. Et en même temps, je vérifie si mon fil il est bien posé, si j'ai pas de problème, j'ai pas de feuilles de moutarde qui viennent toucher le fil. Bon, jusque là, ça a l'air d'aller. Bon, là, j'en ai quelques-unes, il faudra que je vire. De toute façon, après, il faudra que je fasse tout le tour à pied. Là, il n'y aura pas le choix. Bon, après, de toute façon, je testerai, je brancherai l'électrificateur. Si le courant il est bon, c'est bon, je ne m'embête pas à faire tout le tour. C'est vraiment, s'il n'est pas bon, bon là, il faudra que je... J'ai déjà, en posant le fil, je faisais déjà attention, donc logiquement, ça devrait aller. Il faudra que je fasse un système pour imputer une pierre de sel. Elles vont peut-être manquer un peu de minéraux après. Bon, sinon je suis content, jusque là il pleut pas. J'ai eu peur en partant avec le tracteur, en partant de la ferme, j'ai eu quelques gouttes. Je me suis dit ça y est, je vais faire ça sous la pluie comme d'hab. Et là non, pour un coup,
fais ça, pour pas dire au sec, parce que c'est quand même assez, c'est bien bien humide. Mais au moins il pleut pas, c'est le principal. Des gouttes, ça y est, là j'ai quasiment fini. L'électrificateur il est posé, il n'est pas encore branché. Là je suis en train de mettre les pancartes. Donc, alors bah, c'est tout con. Hein. Donc bah, là-dessus c'est marqué touche pas à ça, petit con, attention ça pique. Voilà. Sur le caméscope parce que j'ai presque plus de batterie sur le téléphone. Je tiens à la garder au cas où que on doit m'appeler ou que je dois appeler. Bon, du coup là je suis en train de refaire tout le tour de la parcelle. Comme ça je vérifie si mon fil il est bien posé. Et puis je bouge bah, comme là par exemple. Hop. Là si on voit. Donc là le fil il est touché par la plante, donc il suffit de le retirer. Je fais ça partout, comme ça je suis sûr qu'il y a un bon contact. Il y a une bonne conductivité du courant. Voilà, tout est fait. Il n'y a plus qu'à rebrancher la batterie. Alors, bon, je sais pas si on va bien voir. Hop. J'ai remarqué que des fois j'ai pas une bonne voilà. Donc là c'est branché, je vais faire un test de batterie. C'est bon, c'est chargé. Hop, là c'est allumé. Donc là pour l'instant logiquement il n'y a pas le courant, mais je préfère pas toucher. Et c'est parti. Voilà. Là logiquement il y a du jus. Alors je vais vérifier ça tout de suite. Je vais prendre mon testeur. Hop. Alors j'espère que j'ai pas fait tomber ma petite clé à laine. Alors je vais tester direct sur le boîtier. Donc là je monte jusqu'à 6000 à peu près. Donc au boîtier c'est bon. J'ai pas mis ma petite lampe. Alors là par contre je vois rien. Ouais c'est bon, ça monte jusqu'à 6000, c'est bon. J'ai du courant sur mes trois fils. Alors là j'ai que deux fils, faudra que je répare ma troisième bobine. C'est bon. Et c'est bon. Bon ben voilà, donc là c'est bon, je sais que j'ai plus besoin de faire le tour de la parcelle.
Allez, c'est bon, c'est terminé. Là, je rentre chez moi et je vais manger parce que je crève de faim. Il est 1h30 passée. Bon, après, c'était le temps de ranger tout le matériel, tout ça, mais ça va, la clôture, j'avais fini, ouais, 12h30. Ça y est, je ramassais mes piquets, quoi, 12h30, donc c'est impeccable. Oh là. Bon, du coup, je sais pas quand est-ce que je vais refaire une vidéo sur l'exploitation. Je pense que la prochaine, ce sera quand on ramènera les brebis. Parce que là, on va les ramener par la route et non avec le tracteur. Si vous avez des questions sur l'exploitation, bah n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Bah, je suis pas un expert non plus, mais j'ai mes connaissances. Bon, en tout cas, je suis bien content. Il a plu au début, mais pendant la pose de clôture, impeccable. J'avais même un petit rayon de soleil. Et puis là, ça y est, j'ai fini. Il commence à repleuvoir, donc bon. Le temps, c'est pas ça, mais au moins j'ai pas fait la clôture sous la pluie, parce que déjà que c'était pas évident avec toute la boue. Alors si en plus il pleuvait, bon, laisse tomber, ça aurait été une misère. Bah, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ouais, un beau petit pouce bleu, ça fait plaisir, à vous abonner, et puis bah, je tâcherai de ressortir une vidéo prochainement, donc sur l'exploitation. Voilà, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, et à la prochaine. Tchuss les gens!